le 9 mars 1946. Cette dictée a été faite pour le père Migliorini, qui, à cette époque, et depuis 4 mois, perdait du temps et une juste vision des choses, à suivre le phénomène sensationnel de D.B. au point de le croire plus divin que tout autre. Jésus dit « Deux instructions pour servir de guide, l'une à ceux qui peuvent être tentés de délaisser la vérité pour l'erreur, et l'autre à ceux qui peuvent avoir des doutes en fondant leur jugement sur des axiomes et des théories qui ne peuvent expliquer le surnaturel, puisqu'ils sont tous naturels. » Petit Jean, ouvre le livre des juges, là où il parle de l'idole de Mika, et le livre d'Esther, là où Mardoché explique le songe. Écoute et écris. Ne nous occupons pas de l'histoire de la formation de l'idole. Je commence à l'endroit où il est fait mention du jeune homme de Bethléem en Judée, un Lévite. C'est un exemple, un mauvais exemple, de ceux qui doivent servir humblement le Seigneur dans la maison de vérité, mais ne se contentent plus, après quelque temps, de leur fonction humble et sainte. Ils veulent alors trouver mieux, c'est-à-dire plus que ce que Dieu leur a accordé, bien qu'ils sachent que c'était un beau don et que, s'ils le défendaient précieusement, ce serait un motif de louange pour ce bon serviteur. Et les voilà devenus avides d'obtenir une double ou une triple part, si bien qu'ils suivent d'autres voies en recherche. Quoi ? Dieu ne se prête pas à satisfaire les concupiscences spirituelles, et ceux qui cherchent à obtenir plus que Dieu ne donne, soit ne trouvent rien, et ils n'en retirent que le tort d'avoir négligé la vérité pour des nuées, soit finissent par trouver Satan déguisé en prophète. Est-ce que cela accroît les mérites et la gloire ? Non. Mieux valait à ce jeune Lévite de Bethléem de rester simple Lévite plutôt que de devenir le prêtre d'une idole. Mieux valait le petit don venu de Dieu que la grosse somme versée par un idolâtre qui se pavanait en disant « Et maintenant, je sais que Yahvé me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Mais ne comprenez-vous pas que là où il y a orgueil et simulation, tout concourt à les accroître? Or, la simulation et la fourberie enseignent ce qui peut séduire les petites âmes à grands cris. L'homme d'Éphraïm n'était satisfait ni par son culte, ni par son fils devenu prêtre. Il savait bien que ce n'était là qu'un semblant de religion, une vaine apparence. Il savait que le Dieu et le culte qu'il s'était construit n'avaient aucune valeur, ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux des hommes. Beaucoup savent cela. Ils éprouvent alors le besoin de combler leur vide grâce à l'aide d'un prêtre. Mais non, cela ne sert à rien. Celui qui fait cela agit mal, tout comme celui qui se prête à son jeu. Que chacun reste là où je l'ai mis, qu'il n'aille pas chercher un endroit où il sera mieux. C'est encore l'orgueil qui s'infiltre sous le déguisement mensonger de bonté et de zèle. Et obéissance, 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 sinon mon châtiment est assuré. Lorsque deux personnes sont unies par ma volonté, je suis tout à fait capable de m'en prendre à un seul, tout en laissant en paix la petite source qui a grandi et devenue fleuve, s'est transformée en lumière, en soleil et a déversé des eaux abondantes, mais qui est consciente qu'elle ne le doit pas à son mérite personnel, mais à ma volonté. En outre, elle n'a pas demandé cette grâce, mais seulement celle de m'aimer. Et elle souffre, car je suis seule à savoir ce qu'elle souffre, en voyant que tous ne partagent pas le même destin, celui du peuple de Dieu. Les fils d'un seul peuple comprennent le langage de leur roi et celui des sujets fidèles à leur roi. Comment se fait-il donc
que si peu comprennent ma parole ? La plupart doutent qu'elle vienne de moi, ou même se laissent séduire par d'autres paroles qui sonnent faux, comme l'origine dont elles proviennent. Je vous le dis, j'ai donné, mais je peux cesser de donner. Voici des années que je le répète. Mais je n'enleverai pas sa joie à la petite source qui a grandi, parce qu'elle a les bonnes dispositions qu'elle doit à l'amour. Elle mourra dans ma paix. Or la paix pour elle, c'est d'être en moi et moi en elle, comme je rêvais de l'être dans tous les cœurs.